Hello tout le monde, c'est Barton, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, bienvenue en Irlande. Non, du coup, bienvenue, comme je vous l'avais dit dans la vidéo annonce, je vous avais dit que j'allais partir pendant un an en Irlande. Donc du coup, c'est le cas, là je suis arrivé en Irlande, je tourne cette vidéo en septembre. Or je suis arrivé en août, le 26-27 août quand même, ou bien avant. Mais bref, en fait ce que j'ai eu l'idée, c'est que chaque mois, je vous fais une sorte de vlog de tout ce qui s'est passé du coup durant le mois. Donc c'est pour ça que par exemple le mois d'août la vidéo sortira en septembre, le mois de septembre sortira en octobre novembre, bon, bref ça sera toujours un mois décalé. Et donc du coup je tourne l'intro du coup en Irlande et donc du coup on se retrouve dans l'avion avant que je parte en Irlande. Ok, donc là on est dans l'avion, c'est bon, donc là on a fait l'enregistrement des bagages. On a mis du coup les bagages en soute, mon bagage est en haut là, hop c'est bon. Donc là je suis posé dans l'avion, je suis au centre, j'ai un peu le seum mais c'est pas grave. Et donc là on va bientôt décoller. Voilà. C'est bon, on est arrivé en Irlande. Du coup on est arrivé en Irlande et l'équipe du coup, enfin l'association pour nous emmener en Irlande, ça s'appelle la JEV. Et après on devait aller dans une autre association pour nous répartir dans nos familles. Et donc du coup, on avait des étiquettes. Par exemple, moi j'étais le 1A et donc du coup c'était tous ceux qui allaient vers la comté de Mayo en Irlande, c'est là où je suis. Donc je suis vraiment je suis vraiment paumé en Irlande, donc ça c'est clair. Et donc du coup, par exemple, il y en a qui restaient près de Dublin, il y en a comme nous qui vont du coup à l'autre bout de l'Irlande. Nous on a eu la 3-4 heures de bus, de car, ouais. C'était long et donc du coup, voici quand je suis dans le bus. Ok, donc là on est toujours dans le car, la première partie du groupe est partie. Bon bah du coup il me reste encore je crois 45 minutes de route au total. Oui, il fait pas très long, donc on essaie de courir un maximum. Et on va bientôt arriver chez la famille. Je suis un peu fatigué mais ça va. Bon voilà. Ok, là c'est bon comme on est le lendemain et que du coup il y a plus de lumière. Je vous montre du coup la chambre, donc là, hop. Donc là on arrive là, voilà, hop. Ensuite c'est la chambre là. Avec mon lit. La valise, des chaussures. Ça. Les PC. Voilà, voilà. Voici la chambre dans laquelle je vais passer mes prochaines semaines, prochains mois, voilà. Et je l'aime bien. En fait, il y avait soit la grande chambre, soit la petite chambre. J'ai pris la petite chambre pour être plus cosy, plus tranquille, plus posé, voilà. Pour avoir mon petit espace à moi. Donc voilà, je l'ai pris, elle me convient parfaitement, donc voilà. Ok, donc là, du coup, on est le 31 août. Du coup, ça fait quelques temps déjà que je suis arrivé en Irlande. Je me suis installé et tout, je me suis installé, j'ai mis toutes mes affaires et tout ça. Et là, en fait, hier, ce qui s'est passé, donc du coup, le 30, on est sorti avec toute l'équipe de la JEV, donc c'est l'organisation qui s'occupe de faire du coup les voyages à l'étranger et tout ça. Et on a fait une petite sortie pour découvrir un peu l'Irlande et tout ça, c'était sympa. J'ai trouvé ça intéressant de savoir un peu l'Irlande, dans quel environnement je vais être pour les prochains mois et tout ça. Sinon, jusque-là, tout se passe bien, tout va bien. C'est super, voilà, en fait là on est relax parce qu'on n'a pas cours, donc vraiment la journée c'est vraiment chill. On traîne sur l'hôtel, on regarde des films, on joue à des jeux de société. Et sinon voilà quoi, il n'y a pas grand chose
d'incroyable à dire, mais sinon en vrai là pour l'instant tout se passe bien. Alors du coup je pense que ici dans les prochains mois je tournerai quelques vidéos, parce que là j'ai des LED qui sont plutôt stylés. Et donc, du coup peut-être qu'avec ces LED je pourrais peut-être tourner des vidéos, tu sais, genre un thread horreur, un jeu d'horreur, non pas un jeu d'horreur, pas de jeu d'horreur, un thread horreur, parce que bah je pourrais mettre les LED en rouge tout ça. Et ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'est un peu comme ça qui se passe la continuité du voyage. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le mois d'août. Elle a été courte parce que j'ai pas filmé beaucoup de choses, parce que c'était le début. Et donc du coup je me familiarisais plutôt avec la famille, avec l'environnement. Et voilà, mais je pense que le mois de septembre, oui, il y a plus de choses à filmer, parce que là déjà j'ai commencé à faire le montage. Et en vrai ça a l'air pas mal, donc dites-moi déjà si vous aimez bien l'idée de faire des vidéos chaque mois sur le vlog. Aussi si vous avez des idées de vidéos que je peux faire, parce que dans la vidéo annonce, j'ai listé du coup certaines vidéos. Je sais, j'ai vu un commentaire, je suis désolé frérot, je sais que vous attendez beaucoup à la vidéo Tipper t'as un gage 2, mais je suis en train de travailler dessus. Après avec mon pote Véry, on va faire une session Discord et on va vraiment travailler le projet, par exemple pour faire avoir des jeux plus grands, des gages plus grands. Déjà le déguisé en fille il y sera, et ce que j'ai l'idée pour le déguisé en fille, c'est par exemple si on a un jeu tous les deux, celui qui perd du coup il s'habille en fille. Du coup voilà, parce qu'en vrai là, l'idée du déguisement de fille, c'est pas juste mettre une robe. Je vous dis pas plus, mais je suis en train de taffer dessus, je suis en train de réfléchir ce que j'étais dans ma tête. Et aussi pour des concepts que je pourrais peut-être faire en Irlande ou dans la chambre, là par exemple, comme j'ai des LED, je pourrais par exemple faire des choses. Par exemple, il y a ça que j'aime bien. Ah oh. C'est trop stylé. Attends, putain, merde, c'est où? Ok, c'est bon. Et donc, du coup. Oh merde, c'est mon chien qui a fait rêver les chiens. Ok. Ah oui, dans la maison, avant, il y avait 5 chiens. Je dis pourquoi avant? Parce qu'il y en a un qui est mort. Et donc, du coup, là, il y a 2 chiens. Il y a 4 chiens. Il y a 2 chiens, ils sont énormes. J'ai trop peur. Bref. Donc, du coup, oui, les vidéos. Putain, cette vidéo elle va jamais s'arrêter. Donc cette vidéo en vrai du coup là, avec les LED rouges, je trouve ça pas mal du coup pour raconter des histoires d'horreur. Bon après la caméra je pourrais jouer dessus par exemple, tu vois, la faire en mode un peu plus sombre et tout ça. Donc on verra bien ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. C'était Barton, bye.